Moi de mon côté, bah voilà quoi. Feu bleuéil là, petite ville. Est-ce que je vais me faire un bon petit une petite boulangerie ou est-ce que je suis sûr que c'est ouvert, je vais me péter le bide. Et après, direction château. C'est vrai que il y a des châteaux à aller visiter. Et j'ai hâte de vous remontrer le château pour vous faire des bouts de jolis petits plans. Allez, sur ce, let's go! Dommage que j'ai pas filmé ça. T'as deux doigts de me faire bouffer par un chien. Il voit le chien. Ok, il s'en laisse. Il commence à courir vers moi. Je dis bon. Parce que là ça va, sauf que bon. Sauf que là, pour une fois, il a pas l'air d'être gentil. Et là, il commence pas à me gueuler dessus, mais en mode vénère. Je suis en mode waouh. Reste là. J'étais à deux doigts d'en mettre une dans sa gueule. Ah, il aurait chopé, il aurait tapé. C'est là que je me dis putain, pourquoi j'avais pas mes bâtons. J'aurais eu mes bâtons. Là par contre, ça aurait pas été la même. Bon, heureusement, j'ai gueulé au plus fort que lui. À savoir que si vous avez un chien qui vous attaque, la première chose à faire, c'est montrer que vous avez pas peur. Crier plus fort que lui. Lui montrer que vous en avez. Et si jamais il approche trop, vous vous dites waouh. Moi c'est comme ça que je fais et ça marche. Je fais waouh, je lui monte du doigt, je fais calme-toi. S'il veut pas, tant pis. Mais j'aime bien, ils disent les gens, ouais c'est un labrador, il est gentil, tout ça, ouais, nani nana. Nanana. Désolé, c'est pas parce que ton chien c'est un labrador que forcément c'est ton ami. Hein. Ça a des dents, ça bouffe. Off, ils m'ont fait rire les gens. Il dit oh il voulait jouer. Ouais ouais t'as raison, il voulait jouer. Moi je sais un chien quand il veut jouer. Là il voulait pas jouer. Donc voilà quoi. C'était original. Bref, dommage que j'ai pas filmé ça. C'était... Ah, autrement, je vous montre un peu le diaporama. Voilà le château, enfin te voilà toi. Ah, que c'est bon. Allez les amis, pouce bleu en bas de la vidéo, hein. Je fais ça pour vous, je fais vraiment tout ça pour vous. Franchement, s'il vous plaît les amis, un pouce bleu et un partage. Il m'a tué cette petite côte à la con. Bon allez, au château, on va aller voir. Let's go. Les bâtards, déjà, t'arrives, c'est une putain de pente, je te montre. Voilà, donc déjà je suis en mode et ensuite c'est pas fini, regarde, je vais te montrer. Tu montes comme un bâtard pour arriver à ton château. Oh j'ai pas à me plaindre. Rien pire dans la vie. C'est qu'une montée avec 19 kilos dans le dos. Après un million d'années à avoir parcouru les escaliers. Il y arriva à la fin de son calvaire, oui. Tan 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 tan. Ah, ah bâtard. Ah, ah bâtard, il m'a encore. Ah, ah putain. Ah, oui, enfin. Je t'ai eu, escalier de brun. Ah, c'est beau. Comment je suis dégoûté que le château y est capoute. Il devait être magnifique. Ah, en fait, je vais pas voir un château, je vais voir des ruines. Je m'en fous. C'est la beauté du geste qu'il faut. Avant que ça m'arrive, c'était déjà bien délabré. Ah oui ? Vous verrez les photos. Il est magnifique en tout cas. Il était beau. Hein. Il était juste magnifique, c'est dommage. Et c'est qui l'a détruit alors le château? Alors donc en fait ça a été démantelé, démilitarisé et puis rendu inutilisable par les ingénieurs de 2014. J'ai eu de la chance,
parce que dans mon périple, normalement j'aurais dû payer, et finalement comme la machine est en panne, bah pour moi c'est gratuit. J'ai de la chance. Regarde Simba, tout ce qui est dans la lumière est à toi. C'est du bien de poser un cul. On est bien, hein. Bon bah j'espère que vous aimez la vidéo, parce que moi franchement, je prends plaisir à la tourner et c'est vraiment joli. Regardez-moi ça là-bas. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Que vois-je ? Un stylo de 1142 ? Arrêtez de polluer, bordel. Je le dirai jamais assez. Et encore ces escaliers. Vous savez, des fois, quand je me plains comme ça, j'ai l'impression d'être Po dans Kung Fu Panda. Mon pire ennemi, les escaliers. Les pentes. Bon, en fait, je vais vous dire un truc. Quand je marche, je préfère 100 fois monter que descendre. Ah ouais, je préfère quand ça monte que quand ça descend. Et pourquoi vous allez me dire ? Parce que quand ça descend, ça me nique les genoux, mais d'une force. Tandis que quand ça monte, ça va tout seul. Bah voilà, la visite est terminée. C'était sympa. Bon petit truc à faire. Voilà, je suis content, il y a de beaux plans, il y a ce qu'il faut, tout le monde est content. Ah putain. En tout cas, je suis content de vous avoir fait découvrir le château de Gutsi. C'est un super château et magnifique à voir. Et franchement, ça vaut la peine d'aller le voir. Au moins les ruines. C'est sympa quoi. Voilà. Bon, comme je suis mort, fatigué, d'avoir visité et d'avoir marché autant, j'ai décidé de me reposer ici. Trouver un coin et je vais toiler. Et ce sera très bien ainsi. Oh, je crois que je vais pas aller bien loin. Regardez ce que je vois. Ça peut être sympa, foutre la tente là-bas. Moi je suis au soleil, j'ai un banc. Personne qui me casse les bonbons. Ça peut être sympa. Pas tout, personne. Bon. Quoi que je me foute là. Y'a personne ici. Et pour la nuit, au moins c'est pas mal. Bon bah voilà, c'est fait. La tente montée. Tranquille. Là je me suis mis à côté de l'hospice, là je suis bien. Petit coin pépère. Ah, ça va, je vais pas polluer la zone puisque chaque fois que je vais, je pollue pas. Et demain, je vais essayer d'aller à l'hospice ou quoi, essayer de gratter les toilettes. Voilà. Autrement, tout va très bien, madame la marquise. Allez, sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et merci de suivre ma chaîne. Bisous, ciao. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un truc qui a tapé mon bazar. Qui a tapé ma tante. Et, croyez ou pas, ça fout les boules. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui a fait ça. Il y a un truc qui a fait ça, je te jure. T'es tout seul dans ta tente, t'es top coin. Dans ta tête, ça fait un film d'horreur. Tu te dis putain, mais c'est quoi ? Mais j'arrive pas à dormir, putain. J'arrive vraiment pas à dormir. Truc de fou. Faut vraiment être débile pour dormir tout seul comme un con dans des endroits pareils. C'est qui des mines, c'est moi. Bon ben voilà. Petite frayeur la nuit, mais une nuit douce. Il fait pas froid. Pourtant ce que j'ai connu, c'est bon. Je vais même retirer la polaire. J'espère que demain il fera bon. Allez.
souhaite une bonne journée. Je regarde pas la lumière, je vais être aveugle. Bisous. Oh. Ça fait mal.